Good morning, allez, Yid, et ce soir aujourd'hui le Nishmat Richard Ben Fortune et Mazal, Claudie Trek Ben Fortune et Mazal, Amram Yona Ben Chana, Ve Shalom, et Shimon Ben Yelevo Vekuka. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactée 5 minutes éternelles, nous étions au Sérène Beitza, Perikre, Mishnah Gimel, la Behema Ve Akelem Kiragle Habe Alim, Amoser Behemto Livno Oleroe, Areelu Kiragle Habe Alim, Kelim Amuchadim Lechad Minachim Shebabait, Areelu Kiraglav, Ve She'en Meyuchadin Areelu Kemakom Sheholchin. Une Mishnah qui va nous parler de Eruvin et de Beitza en même temps, et de Yom Tov en même temps en fait. Le principe il est très simple, c'est que, comme on apprenait dans Masechet Eruvin, chacun a le droit à Shabbat de sortir en dehors de la ville jusqu'à 2000 amas. Grâce au Eruv Troumin, on a la possibilité de décider que finalement, au lieu d'avoir 2000 à l'est et 2000 à l'ouest, j'ai droit, avec le procédé du Eruv Troumin, de prendre 4000 à l'ouest, et... c'est déjà 4000 à l'ouest, ouais. J'ai le droit de prendre 4000 à l'ouest, et dans ce cas-là, et je renonce à mes 2000 que j'avais à droite. C'est grâce au procédé du Eruv, si vous vous en souvenez, tant mieux, sinon, contentez-vous de ça. Et donc, maintenant, j'ai pris 4000. Maintenant, la question de notre Mishnah est de savoir, quand on va emprunter des choses à Yom Tov, on va aller acheter de la viande, on va... On a la possibilité d'aller voir le boucher pour lui prendre de la viande et d'acheter chez lui. On lui payera après, comme on a vu en haut, quoi. La question est de savoir maintenant, je suis parti acheter de la viande pendant, lui prendre de la viande pendant Yom Tov. Dans quel, où j'aurai le droit de sortir avec cette viande pendant Yom Tov? On a le droit de porter pendant Yom Tov, on a le droit de porter son repas. Imaginez que moi, j'avais pris mes 4000 amas. Je vous pose la problématique. J'avais pris mes 4000 amas, par exemple, à l'ouest. Le boucher, lui, il avait fait tout le contraire. Il avait, on va pas prendre le boucher, on va prendre mon voisin, il avait pris les 4000 amas de l'autre côté. Est-ce que maintenant, j'achetais maintenant de la viande chez lui? Alors, la viande, je pourrais la manger à l'intérieur de la ville, mais imaginez que je vais me faire un sandwich pendant que je vais partir dans les 4000 amas de l'autre côté, est-ce que j'ai le droit d'emporter le sandwich avec moi? Ou bien non, sa viande, elle a été bloquée, puisque sa viande, elle va selon les pieds, selon ce que lui s'est fixé, selon là où il a le droit de marcher. Il a le droit de marcher 4000 amas à l'est et pas à l'ouest. Et c'est justement, c'est le principe de la Mishnah. Alors on commence maintenant dans le cas de la Mishnah. Il peut s'agir, bien sûr c'est une Mishnah qui parle de Yom Tov et pas de Shabbat, parce que Shabbat on n'a pas le droit de porter de toute façon. On aurait pu avoir la problématique dans Shabbat éventuellement, si je l'emprunte un habit. Je ne sais pas pourquoi on n'en a pas parlé d'ailleurs. Mais en tout cas, à Yom Tov, le problème est beaucoup plus concret et fréquent. Et la Mishnah m'enseigne comme ça. Abéma vakelim kiragle abéalim. L'animal, comme les ustensiles, vont selon le propriétaire, c'est la généralité, selon le propriétaire au moment de l'entrée du Shabbat. À savoir donc, si je lui ai emprunté un objet, il pouvait partir à l'est, cet objet-là ne pourra partir qu'à l'est. Si moi j'ai pas le droit de partir à l'est, parce que j'ai préféré mon roue de l'autre côté, je ne pourrais pas sortir en dehors du trou, ni à droite ni à gauche. Ok? Ensuite, Amoser Behemto Livno Oleroe. Alors là, situation assez particulière, c'est que, imaginez mon fils, qui a fait la bar mitzvah, qui s'occupe lui de surveiller mon troupeau. D'accord? De temps en temps, il sort, il va faire paître les animaux. Maintenant, lui, il a fait le Hérouv à l'est. Et moi, j'ai prévu de partir à l'ouest. Son rave, il habite là-bas, et puis moi, mon rave, il habite là-bas, et puis pendant une tove, on va chacun partir chez son rave. Je lui transmets mon animal depuis, après l'entrée de la fête. Maintenant, il veut aller le faire paître quelque part, à savoir en dehors de la ville. Eh bien, il ne pourra aller le faire paître que là où moi j'ai le droit de partir. Kergla Béalim, comme selon les pieds du propriétaire. Régler les pieds et avec l'aim du propriétaire. Plus précisément, pour le roé, pour le berger c'est à peu près le même principe, mais avec une différence. Le bartender il explique qu'en réalité, c'est pas exact. Si on a l'habitude de donner à un seul berger spécifique qui s'occupe de tous les troupeaux, alors même si à l'entrée de Yom Tov, l'animal était chez moi, et que je prévoyais d'aller, même inconsciemment, mais en tout cas, c'est comme ça la norme, je prévoyais de lui transmettre les animaux pour que lui aille les faire paître, c'est comme ça qu'on a tous l'habitude de faire, et bien figurez-vous que ce sera les pieds du berger qui définiront le droit où il a envie de faire paître. Si lui, il préfère aller toujours faire paître au pâturage qui se trouve à l'est de la ville, et que moi j'ai prévu d'aller à l'ouest, s'il y a un seul berger, ou encore un berger avec lequel j'ai toujours l'habitude de lui transmettre mes animaux, même si l'animal il est chez moi à l'entrée de la fête, malgré tout, ça ira selon lui et pas selon moi. Et là, on parle en fait que c'est un berger où il y avait deux, par exemple, deux autres bergers dans la ville. Des fois, je vais voir l'un, des fois, je vais voir l'autre. Du coup,
ce sera ni lui, ce sera moi qui définira. D'accord ? Suite de la Mishnah. Kelim ha-michodim l'echad min ha-achim shebavet. Oh, situation particulière maintenant. Lorsqu'on est dans une maison, plusieurs frères, et chacun en a prévu de partir dans, se promener là où il voulait, aller voir son rav, aller voir ses amis. À Yom Tov, il y en a un qui a des amis à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Chacun il a fait un hérouf dans une direction différente. Eh bien, la Mishnah m'enseigne. Donc, Kelim ha-michodim l'echad min ha-achim shebavet. Je traduis. Les ustensiles qui sont spécifiques à un des frères qui est dans la maison. Chacun. Alors quoi ? Arelo Keraglav, ce qui est spécifique à lui, ça appartient à lui, et ce sera défini selon son domaine, là où il a le droit d'aller lui se promener. Spécifiquement. D'accord ? Donc si en fait il y a un frère qui aura un certain domaine commun avec l'autre, et bien il pourra aller là-bas. Tandis que Veshe En Meyuchadim, s'il y a des ustensiles qui ne sont pas spécifiques à l'un des frères, comme les chaises du salon, on a envie d'en prendre une chaise et l'amener je ne sais pas où, et bien là figurez-vous qu'on a un grand problème. Are elu kemakom sheolchin. Alors littéralement, il écrit, ils seront définis comme le lieu ou le domaine où ils ont le droit de partir. En réalité, il faut faire le domaine commun à tous les frères. C'est-à-dire, si lui, il a fait le héros à l'est et l'autre, il a fait à l'ouest. Donc, celui qui a fait à l'est, il n'a pas le droit de partir à l'ouest. Celui qui a fait à l'ouest, il n'a pas le droit de partir à l'est. L'objet, il devra rester que dans la ville et ne pas sortir en dehors de la ville. Et idem avec le nord-sud, et ainsi de suite. Le principe connu qu'on avait déjà vu un peu dans les rouvines, on avait déjà vu que le principe. On est bloqué, donc chacun, en fait, il va limiter. Chacun, ce sera vraiment, il faudra prendre le, comment dire, comment on faisait les domaines quand on était à l'école, là. Les domaines communs, j'ai oublié comment, il y a un terme spécial pour définir. Mais voilà, quoi. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.